Le sauvetage du système financier a laissé de côté les attentes sociales et lourdement hypothéqué les capacités d'investir pour l'avenir. Les choix retenus conduisent à des emplois détruits par centaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes jetés dans la précarité, des salaires en berne, une souffrance inhumaine au travail, une protection sociale au bord de l'asphyxie, une explosion sans précédent de la dette publique, l'explosion du travail illégal, des PME, des sous-traitants qui subissent les dictats des grands groupes. C'est d'abord le refus d'entendre les salariés et leurs représentants syndicaux qui est à l'origine de ce gâchis gigantesque. Mais les luttes et les revendications, quand elles ont pu réellement être portées, ne sont pas restées vaines. Des entreprises sous-traitantes ont réintégré des groupes industriels qui les avaient vendus il y a quelques années. Tout récemment, le gouvernement a été contraint de manœuvrer sur la majoration des droits des femmes pour la retraite. Mais tout cela reste encore bien loin des attentes et des nécessités pour construire une issue réelle et durable à la crise. L'essentiel est devant nous. Plus que jamais, l'intersyndicale propose aux salariés de s'engager dans l'action revendicative. Pour la deuxième année consécutive, à l'appel de la Confédération syndicale internationale, des organisations syndicales dans le monde entier s'engagent pour une journée mondiale pour le travail décent. Cette démarche de coordination internationale des luttes et des revendications est incontournable face à la globalisation libérale. Certes, les situations des salariés diffèrent. Ici, le problème prioritaire sera le travail des enfants. Là, celui du temps de travail. Ailleurs, des conditions de travail inacceptables et l'interdiction du droit syndical seront à l'ordre du jour. Mais si les acquis sociaux ne sont pas homogènes d'un pays à l'autre, c'est bien à la même logique que toutes et tous sont confrontés. Comme au niveau national, l'intersyndicale à Montluçon, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Sud appellent l'ensemble des syndicats, militants, syndiqués et salariés du secteur public comme du secteur privé à amplifier la mobilisation, car ici, compte tenu de la situation, de notre histoire et de nos acquis, la notion de travail décent se décline sous la forme des revendications portées par les mobilisations du mouvement social depuis janvier 2009. Pour la défense de l'emploi stable dans le privé et le public, contre la précarité, pour une revalorisation des salaires reconnaissant en particulier les qualifications et les diplômes, pour des conditions de travail respectant la santé et la dignité des personnes, pour une protection sociale et des retraites garanties fondées sur la solidarité, pour des services publics disposant des moyens indispensables pour assurer leur mission et participer à la cohésion sociale et territoriale. Comme nous l'avons écrit dans notre tract, ne laissons pas les affaires du monde au monde des affaires. Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l'emploi, des rémunérations et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance économique. Surmonter la crise implique également l'intervention des salariés et de leurs représentants dans les choix et les décisions qui concernent le travail, l'entreprise, les services et le contrôle des fonds publics. Surmonter la crise implique un vrai dialogue social et donc que cessent les atteintes ou les entraves au droit syndical, les pressions ou les discriminations envers les représentants des salariés. Mettre également un coup d'arrêt aux pressions exercées sur les salariés qui voudraient se rapprocher d'une organisation syndicale, comme c'est le cas à Carrefour, où une salariée se retrouve en procédure de licenciement pour avoir commis la faute grave d'avoir parlé avec un représentant syndical, mais où la lutte s'organise pour faire réintégrer Marie-Françoise dans ses droits. D'autres problèmes de ce genre au réservoir, à l'hôpital, pour ne citer que. Enfin, surmonter la crise impose d'autres méthodes de management, prenant en compte la reconnaissance du travail et des qualifications, mais aussi le respect des travailleurs, ce qui n'est malheureusement pas le cas à France Télécom, où les personnels vivent le mal-être au travail, ce qui a conduit 24 salariés au suicide cette année. Ce qui arrive aujourd'hui à France Télécom est inacceptable et doit être condamné avec fermeté, car ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Combien de salariés subissent les mêmes pressions et ne trouvent pas les moyens de se défendre, dû essentiellement à l'absence d'organisation syndicale dans un trop grand nombre d'entreprises. Les mobilisations doivent s'amplifier pour créer le rapport de force à la hauteur des enjeux, et c'est tous ensemble que nous parviendrons à élargir ce mouvement pour faire prendre en compte les exigences revendicatives tout à fait légitimes des salariés, des retraités, des jeunes, des précaires et des privés d'emploi. Amplifier
est tout à fait possible quand on voit l'importante mobilisation à laquelle nous avons toutes et tous contribué à l'occasion de la votation contre le changement de statut de la Poste. Un résultat qui place Sarkozy et son gouvernement dans une impasse difficile et qui les oblige à ne pas pouvoir faire comme si rien ne s'était passé. Mais c'est surtout la démonstration d'une mobilisation citoyenne impressionnante et la preuve que rassemblés et déterminés, des mouvements de grande ampleur sont possibles. Pour amplifier ce rapport de force indispensable, mon organisation syndicale lance un appel aux autres organisations pour nous rejoindre dans la manifestation parisienne du 22 octobre prochain pour la défense et la promotion de l'emploi industriel. Je sais que cette question est en débat dans d'autres organisations et je me permets d'insister car c'est par l'unité syndicale, comme celle que nous avons créée depuis le début de l'année 2009, avec une plateforme revendicative aussi élevée que celle du mois de janvier, que nous pourrons faire reculer gouvernement et patronat. Un représentant de chaque organisation qui a lancé l'appel d'aujourd'hui va maintenant rencontrer le sous-préfet. L'intersyndicale remercie tous ceux et toutes celles qui se sont rassemblés pour soutenir les revendications en matière d'emploi, de salaire, de protection sociale, de services publics, mais également sur l'exigence d'un travail décent, ici, en France et dans le monde. Merci.